j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous partager trois petits exercices pour s'ancrer. Donc, trois petits mouvements tout simples. Alors, évidemment, c'est des petites pépites que je vous offre là du programme Flow, donc de la méthode Flow que j'ai créée, où vraiment là, on va beaucoup plus en profondeur. Il y a carrément une session Flow spéciale ancrage. Je pense que ça doit vous parler parce que clairement, actuellement, il y a tellement de personnes, je me mets dedans. Hein. On a tendance à virevolter dans les airs, à cogiter beaucoup, à être très très fort dans le mental. Et du coup, on perd complètement notre ancrage, ce qui nous met en insécurité en fait, une fois que tant qu'on n'est pas là ancré, qu'on n'est pas présent, qu'on n'est pas là, je veux dire, dans notre vie terrestre, on va dire. Et donc, c'est super important vraiment de venir se reconnecter à cet ancrage. Et donc, ici, je vous partage trois mouvements tout simples, vous allez voir, qui vont vous permettre justement d'améliorer cet ancrage. Alors, le premier, c'est très simple, hein, vous allez voir, moi, c'est toujours par la simplicité qu'on vient amener de la puissance en fait. Donc vous êtes simplement debout, d'accord? Les pieds bien au sol. Alors évidemment, il faut se mettre pieds nus. Ici, on va simplement donc lever les bras à l'inspire vers le ciel. Joindre les deux mains, d'accord? Vous pouvez mettre les mains comme ceci si vous voulez ou simplement les laisser paume contre paume. Et donc on va venir simplement, on peut fermer les yeux pour vraiment s'ancrer ou regarder loin devant soi, c'est comme vous voulez. Et on va venir en fait bouger les orteils un par un. Donc, on va venir vraiment soulever les orteils, d'accord? Et venir, hop, les dérouler sur le sol un par un, d'accord? Donc, je soulève les orteils et je viens un par un les déposer au sol et bien m'ancrer, comme si j'allais enraciner. Donc, je soulève et je viens, hop, dérouler, enfin, vraiment ancrer dans le sol comme des racines. Et je viens vraiment sentir, et je peux même visualiser carrément des racines qui sont sous la plante du pied, sous les orteils, et ça vient vraiment, vraiment m'ancrer. Donc ça, c'est un exercice juste ça. Évidemment, moi, je parle en même temps. Vous, l'idéal, c'est de venir vraiment respirer naturellement par le ventre, d'accord? Donc d'être vraiment dans la respiration ventrale, et de vraiment venir là, vous connecter. Juste cet exercice, vous allez voir quand vous partez là-haut dans le mental et que vous êtes en cogitation et que ça part dans tous les sens, eh bien, venez pratiquer cet exercice, c'est très puissant. Deuxième exercice, là, on est plus dans une posture vraiment de yoga. Moi, je rajoute du mouvement, d'accord, parce que voilà, c'est comme ça que j'appréhende la méthode Flow. C'est à la fois un mélange entre la danse et le yoga, d'accord. Donc, on met vraiment l'idée, c'est vraiment de refaire circuler l'énergie. Donc, en effet, on crée de l'ancrage et en même temps, évidemment, je viens créer du mouvement, d'accord. Donc ici, on vient en chaise, donc à l'inspire. Et à l'expire, je remonte, d'accord. Et on vient, hop, et on crée du mouvement, vraiment de la fluidité. Et on revient. Et hop, on y va. Et je reviens. Et je peux évidemment rester quelques instants, un peu plus longtemps ici dans la posture. Alors c'est bien parce qu'en plus, on muscle bien le corps. Et donc, on peut rester ici quelques instants et vraiment venir sentir que je suis bien dans le sol, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. Donc en même temps, on travaille aussi évidemment le chakra racine. Et alors, troisième astuce, mais ça, je vais vous laisser faire tranquillement chez vous. De toute façon, là, j'ai toujours quand même une petite blessure au mollet, donc je ne peux pas vous le montrer, même si j'aimerais beaucoup. C'est vraiment de danser avec la terre, l'élément de la terre. N'hésitez pas d'ailleurs à vérifier l'agenda sur mon site internet, puisqu'il y aura des sessions Bloom Dance au moins une fois par mois à Bruxelles, donc pour ne pas rater les dates. Et donc, dans Bloom Dance, on travaille à un moment donné sur vraiment l'élément de la terre. Et donc là, on va vraiment aller dans le sol, d'accord? Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre une musique vraiment qui va vous permettre de danser avec la terre, on va dire, par exemple une musique africaine ou voilà des rythmes de percussion aussi, etc. Et de vraiment venir faire ce mouvement vraiment. Alors après, vous pouvez danser vraiment librement, mais de vraiment sentir le sol encore une fois, pieds nus, d'accord, et de vraiment faire des mouvements où on vient tout lâcher et on vient vraiment s'ancrer, on vient se reconnecter finalement à l'élément de la terre. Donc voilà, c'est les trois petits mouvements, les petits exercices, j'ai envie de dire, que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Si maintenant vous voulez aller plus loin et vraiment avoir toutes les clés en main et la méthode Flow, donc il y a plus de 50 vidéos, vous avez vraiment du coup du contenu, des exercices à pratiquer au quotidien, qui sont tout faciles, mais qui sont très puissants, qui vont vous permettre de faire circuler
réveiller l'énergie, libérer les émotions et tout ça, mais aussi de vous ancrer, de vous muscler aussi, de prendre du plaisir et de vous éclater. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon, je vous mets le lien juste ici en dessous. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, osez rayonner, à bientôt.